Hello les filles! Voilà, je sors tout juste de chez l'imprimeur et je voulais vous montrer la collection de papier que j'ai faite qui s'appelle Éclosion de bonheur. Alors, c'est une version un peu revisitée parce que je l'avais faite l'année dernière, mais à l'arrière des pages, elles étaient unies et en couleur. Contrairement au dernier bloc, celui-ci est vraiment une réédition. C'est un bloc en 30-30 avec donc 8 pages, 8 doubles pages, plus une page bonus, et il fait 200 grammes. Donc c'est fait en France. Donc voilà, l'imprimeur est à côté de chez moi, pas très loin. Et voilà, je vais vous montrer en détail ce que ça donne. Donc vous pouvez utiliser sur la couverture les étiquettes qui représentent les différentes pages pour les utiliser. Vous avez une page bonus sur la couverture qui reprend un des motifs, celui-ci, une des pages en plus petit, et ensuite une série d'étiquettes et de cartes postales. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Bon, j'ai pas de musique en fond, j'ai juste mon toutou. Donc les pages sont contrecollées. Donc il y a celle-ci. Voilà. Donc mon toutou est en train de chouiner parce qu'il veut un petit gâteau. À l'arrière, vous avez un effet planche. Ensuite, vous avez cette page-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec un petit nid d'abeille. À l'arrière, donc toujours les fonds qui sont dans les mêmes teintes que la page à motifs. Bon, ce sont des fonds avec des motifs légers, des faux unis. Comme ça, vous n'aurez pas trop de mal à découper les pages. Donc voilà, la belle récolte. On n'arrive pas à voir toutes les pages en entier, c'est pas facile. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les détails. Ensuite, nous avons à l'arrière un effet papier recyclé. Voilà, des étiquettes qu'on retrouve aussi sur la feuille bonus en plus petit. Vous avez également une photo du Chaby, le petit salon de thé en Dordogne où je vais faire des ateliers. Je fais un petit coucou à Delphine si elle me regarde. Donc vous avez encore un effet un peu jauni. Ensuite, donc différents motifs toujours sur la nature. Hop là. Vous pouvez aussi découper la page en 15-15. C'est possible avec ces motifs-là. Ensuite, vous avez un petit effet pois. Et une page avec un motif. Oups là, voilà, je vous montre ça plus en détail. Ensuite, vous avez un arrière comme ceci. Des petits lapinous. Voilà, le petit agneau. Un motif dans les verres, comme ceci. Avec une page à motif, avec des petits poussins et des œufs, du Vichy. Et pour finir, encore un petit nid d'abeille dans les jaunes pâles, assorti, bien sûr. Assorti au papier. Voilà. Donc là, on a fait le tour du bloc. Hop là. Voilà. Je vous remontre la couverture. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. Donc, je sais que quelques-unes l'ont déjà commandé dans la boutique. Je vais finir de préparer vos colis et puis de les joindre dedans, puisque c'est ce qu'il vous manquait. Tous les colis sont partis aujourd'hui. Sachez que les colis partent tous les jours, au relais et à la poste. Voilà. Bon, ben, je vous présenterai d'autres nouveautés bientôt. Ah si, j'ai oublié de vous dire qu'avec ce bloc, vous aurez aussi des petites surprises qui sont assorties, qui seront offertes.
pour l'achat du bloc, de ce papier pour le lancement de ce bloc. Et aussi, vous avez un jeu qui se termine aujourd'hui, où j'offre aussi un bloc de papier à l'heureuse gagnante qui sera tirée au sort. Donc je vous remercie d'avoir participé nombreuses et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!